Un baby bump de plus en plus difficile à cacher. En septembre dernier, la famille royale britannique a annoncé la venue prochaine d'un nouveau royal baby, prévu pour janvier prochain. C'est dans la plus grande joie, après 10 ans d'amour et 2 ans de mariage, que la princesse Eugénie et Jack Brooksbank vont devenir parents pour la première fois. Et si la petite fille d'Elisabeth II n'est pas très impliquée dans la vie royale, elle œuvre pour son association The Anti-Slavery Collective, qui lutte contre l'esclavage moderne. Il y a quelques jours, la princesse Eugénie s'est rendue dans une maison sûre de l'armée du salut avec son amie Julia de Boinville. L'occasion pour elle de dévoiler son baby bump arrondi, difficile à cacher sous sa robe, même ample. Vêtue d'une robe noire imprimée, la petite fille d'Elisabeth II a laissé entrevoir un petit ventre sous son manteau bleu, sans toutefois en faire l'événement de la journée, elle qui tient avant tout à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Une première grossesse discrète pour la princesse Eugénie. Si la grossesse d'une duchesse est toujours un moment scruté de près dans la famille royale, comme ce fut le cas pour celle de Kate Middleton mais aussi de Meghan Markle, il se trouve que la princesse Eugénie, elle, préfère le calme, loin du tapage médiatique. De nature discrète, la petite fille d'Elisabeth II a même décidé de reprendre son travail après son accouchement, elle qui est directrice de la galerie d'art contemporain Hauser & Wyerf dans le quartier Mayfair à Londres, depuis 2017. Et il se murmure même déjà que son premier enfant, qui ne portera pas de titre royal, pourrait naître dans la clinique où elle a elle-même vu le jour, le Portland Hospital.